Ce soir, j'aimerais que nous puissions rentrer dans le vif du sujet le plus rapidement possible. Et j'aimerais vous parler ce soir, bien sûr, du royaume de Dieu, mais aussi, je dirais que c'est à peu près la même chose, mais du gouvernement de Dieu, du fait d'établir le gouvernement de Dieu sur terre. Parce que c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qu'il faut avoir compris, c'est quelque chose dont on doit prendre conscience en tant que chrétien, parce qu'on sait qu'une fois en Jésus-Christ, il faut grandir en maturité, il faut passer à un niveau supérieur, et nous savons que dans la parole de Dieu, nous sommes appelés à bien plus qu'être des chrétiens du dimanche, qui s'assoient 2 heures chaque dimanche pour écouter un message et qui rentrent chez eux. Nous savons que nous sommes appelés à bien plus que cela, et il y a un gouvernement, il y a quelque chose que Dieu veut opérer sur cette terre, et nous allons le découvrir maintenant. Donc la définition même de gouvernement, et celle-ci, c'est une direction politique, administrative, économique, sociétale d'une nation. Et c'est aussi l'action de gouverner. Dieu possède un gouvernement. Dieu, dans son ciel, dans son royaume, a un gouvernement. Dieu a un conseil. Dieu dirige entouré d'autres personnes dans son royaume. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et donc, dans un gouvernement, nous voyons qu'il y a plusieurs aspects, je viens de les citer. Il y a différentes positions. Nous voyons que dans le corps de Christ, il y a différents ministères, différentes positions, différents rôles, des fonctions même qui sont différentes. Et donc, notre nation, notre royaume, celui à quel nous appartenons, si nous sommes en Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu, c'est notre patrie céleste. Et le gouvernement, ici, le nôtre, et le gouvernement de Christ. Donc j'aimerais revenir sur quelque chose avant vraiment de rentrer dans le sujet et de dire que tout ce dont je vais parler ce soir, tout ce qui est possible, tout ce que nous allons voir dans ce message n'est rendu possible que par une seule chose, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est lui qui a accompli cela par sa mort et sa résurrection. C'est en lui que nous bénéficions de toutes ces choses. Et j'aimerais dire que tout ce qui sera dit dans ce message, tout ce que nous allons voir dans ce message, et pour la gloire de Jésus et à sa gloire à lui et à lui seul. Car s'il n'avait pas fait ce sacrifice, s'il n'était pas ressuscité d'entre les morts, rien de tout cela ne serait possible. Alors le gouvernement de Christ, le royaume de Christ, un royaume est un état qui est dirigé et gouverné par un roi. Donc le royaume des cieux est dirigé par notre roi des rois qui est Jésus. Et ce royaume a différentes parties. Il y a différents niveaux d'autorité, différents niveaux de responsabilité, de gloire, d'intimité. Il y a différents dons, différents appels, différentes œuvres auxquelles le Seigneur nous appelle. Et donc, tout au long de la parole de Dieu, nous allons voir cette notion de gouvernement. Nous allons voir cette notion de direction, de conquête. Parce que je vais aussi parler de la conquête. Parce que le but d'un gouvernement et d'un royaume, bien sûr, c'est de conquérir. Nous le voyons dans l'histoire humaine, mais nous allons le voir aussi à travers ce message. Et nous le voyons au travers de la parole de Dieu du début à la fin. Donc dans la parole de Dieu, le chiffre qui va correspondre et évoquer la notion de gouvernement est le chiffre 12. Vous pouvez le retrouver, vous avez les 12 tribus d'Israël, vous avez les 12 apôtres, vous avez les 12 trônes sur lesquels siégeront les 12 apôtres aux côtés de Jésus. Donc du début à la fin de la parole de Dieu, vous avez cette notion de gouvernement, vous avez cette notion de conquête, vous avez cette notion d'un royaume éternel que Dieu désire installer sur terre. Et nous devons comprendre cela afin d'être les agents de ce royaume, ceux qui vont accomplir ce mandat sur terre. Christ est ressuscité. Il a envoyé ses disciples avec un mandat. Il a dit « Faites de toutes les nations des disciples. » Faites de toutes les nations des disciples. Mais il y avait aussi dans cette mission quelque chose de compris. Cela est intégré dans un mandat encore plus supérieur, je dirais. Puisque quand Jésus a prié le Notre Père, il a dit une chose très puissante. Il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Voici le véritable mandat que vous avez, Église de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Jésus a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc le règne ici est la notion de royaume. Que le royaume de Dieu descende sur cette terre. Et que la volonté qui se fait dans le royaume de Dieu et dans le ciel se fasse sur cette terre. Par la puissance de Dieu, par la prédication de l'Évangile. Et comment allons-nous réaliser ce mandat? Eh bien, en faisant de toutes les nations des disciples, en annonçant l'Évangile, en prêchant l'Évangile avec puissance, en guérissant les malades, en gagnant du terrain. Puisque Jésus a dit « Faites de toutes les nations des disciples », il y a ici cette notion de conquête
de l'entièreté des nations de la terre qui doivent devenir des disciples de Jésus-Christ. C'est notre rôle et notre mission, et c'est le mandat que Dieu nous confie. Donc, pour accomplir cette mission à bien, bien sûr, nous avons un équipement. La puissance de Dieu, par la personne du Saint-Esprit que nous avons reçu des dons spirituels. Nous avons la parole de Dieu, tout est dans la parole de Dieu. Nous avons le nom de Jésus, qui est le nom au-dessus de tous les noms, qui est le nom le plus puissant de l'univers. Et au nom de Jésus, lorsque vous ordonnez quelque chose, cela se passe parce que l'autorité du nom de Jésus est au-dessus de toute autre autorité. Amen. Les armes, vous avez aussi les 6 armes d'Éphésiens 6. Je ne vais pas détailler toutes les armes, mais je les cite. Et nous avons aussi, bien sûr, l'arme de la prière. La puissance et l'importance capitale de la prière dans la vie du chrétien. Mes frères et sœurs, dans la saison que nous traversons, dans les temps que nous traversons, j'aimerais vous dire, si vous ne priez pas, vous ne pourrez pas traverser ces instants. Mais si vous êtes sur vos genoux, dans la prière, si vous vous tenez dans la prière, vous pourrez passer au travers. Vous pouvez vous emparer de votre terre promise. Vous pouvez être de ceux qui vont installer le gouvernement de Dieu sur cette terre. Nous avons une promesse. Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse nous donne l'espoir, nous donne la capacité et notre carburant pour commencer la mission lorsque nous nous sommes convertis et la terminer à bien. Et Jésus dit même, « Nous savons avec assurance qu'il vient bientôt. » Donc nous devons prendre conscience de ces choses et passer à l'action. La parole de Dieu nous dit également que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. Pour faire avancer le royaume de Dieu avance par la puissance. Le royaume de Dieu avance par la puissance. Nous devons le comprendre, c'est capital. Regardez une nation qui n'a pas, où les chrétiens n'ont pas la puissance de Dieu. Regardez, je ne veux choquer personne, mais regardez l'état de la France aujourd'hui, où peu de chrétiens ont vraiment la puissance de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu, pour installer le gouvernement de Dieu. Regardez l'état spirituel de cette nation ensuite. Parce que pour faire avancer le royaume de Dieu, c'est par la puissance. Et si vous n'avez pas de puissance, c'est un autre royaume qui va venir s'installer. Ce que nous voyons, et Jésus l'avait prophétisé, un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Le royaume de Dieu contre le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. C'est la guerre, c'est le conflit qui a lieu en cette saison, dans les temps que nous traversons. Et donc dans la vie et dans notre vie sur terre, nous sommes soumis à un gouvernement. Soit au gouvernement de Christ, soit au gouvernement du diable, que nous le voulions ou non. Si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, celui qui va nous influencer, même inconsciemment, c'est le gouvernement du royaume des ténèbres. Alors vous devez venir à Jésus pour être sous le gouvernement de celui qui est l'autorité suprême, qui est le divin chef, qui est le tout-puissant, qui est le Dieu créateur. Christ est ressuscité. Il est dans sa toute-puissance. Et la parole de Dieu va dire de vous et moi que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La Bible ne dit pas que tel il était lorsqu'il souffrait, lorsqu'il était moqué, lorsqu'il était abaissé, nous sommes. Mais il dit tel qu'il est en cet instant, au temps présent, dans sa gloire et sa puissance, ressuscité, tel vous êtes dans ce monde. Christ règne, alors vous régnez. Christ est puissant et a la puissance de Dieu, alors vous avez cette puissance. Christ peut tout, alors vous aussi vous le pouvez. Christ gouverne, vous aussi vous devez gouverner spirituellement. L'Église doit grandir et connaître l'expansion, car le Seigneur revient bientôt et la mission est toujours d'actualité. Notre défi à relever est si grand. Tant de chrétiens ont délaissé cela. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que c'est le gouvernement du diable et de l'antéchrist qui gagne et qui grappille du terrain sur la terre, plutôt que le gouvernement de Christ et le gouvernement de Dieu. Mais il ne réussira pas dans son plan tant que nous sommes encore sur cette terre. Tant que le corps de Christ, les agents gouvernementaux de Dieu sont présents sur cette terre et combattent ce royaume-là, il ne pourra pas y arriver tant que nous sommes ici. Nous devons établir le gouvernement de Dieu sur cette terre par la prière et par l'action. Nous devons, bien sûr, avant cela, avoir pris conscience de ces choses en tant que chrétiens, comprendre l'importance de ce mandat, d'amener le royaume de Dieu sur terre, d'amener sa volonté sur terre. Plus de maladies, plus d'addictions, plus de pleurs ni de larmes,
plus d'œuvres des ténèbres, mais seulement Christ et sa présence, seulement le royaume de Dieu. C'est ça que nous désirons. Et une zone géographique peut être totalement transformée si le corps de Christ se lève et installe l'autorité, le gouvernement, le royaume de Dieu sur cette partie de la planète. Prenons l'exemple de ce grand homme de Dieu, John G. Lake. Il s'est installé dans une ville aux États-Unis et au bout de 5 ans, elle était déclarée ville la plus saine des États-Unis et du monde parce qu'il n'y avait plus de malades, parce que le gouvernement de Dieu, parce que cet homme de Dieu et son équipe ont fait descendre le ciel sur la terre et il n'y avait plus dans cet espace physique de place pour la maladie et tout ce qui appartient au royaume des ténèbres. Voici le mandat que nous avons et je veux vous dire, si des hommes et des femmes l'ont fait, vous pouvez le faire. Vous chrétiens, ce n'est pas juste pour ceux qui sont derrière l'estrade, mais c'est aussi pour vous. C'est votre mission, c'est votre mandat. Je veux dire qu'il y a plus de chrétiens sur cette terre qu'il y a d'hommes et femmes de Dieu derrière la chair. Alors, vous devez agir. Vous êtes plus nombreux, vous êtes l'armée de Dieu. Vous devez passer à l'action. En cette saison, nous devons voir l'émergence des guerriers de Dieu, de fils et filles de Dieu qui doivent devenir des autorités territoriales capables d'ébranler les principautés démoniaques, d'établir le règne et le gouvernement de Dieu dans un espace défini par leur vie de consécration, leur vie de prière, leur vie de service. Et tout cela implique la notion d'ambassadeur. Dans un gouvernement, il y a des ambassadeurs. La définition même d'ambassadeur, c'est le représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Il est le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. Il est la personne chargée d'une mission. Nous sommes, dit la parole de Dieu, ambassadeurs de Christ. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, même si nous vivons dedans. Nous sommes les envoyés du royaume des cieux dans une nation étrangère, qui est ce monde, pour amener le gouvernement de Dieu, pour amener la culture du royaume des cieux, pour amener les réalités du royaume de Dieu en manifestation, en existence sur cette terre. Nous sommes les représentants de Christ, c'est-à-dire que nous disposons de tout l'arsenal de sa puissance et de son pouvoir, de son autorité, si bien sûr du moins nous avons conscience de ces choses, et si nous nous en sommes emparés par la foi, par le biais d'une vie qui est conforme aux Écritures. Une vie de prière, une vie de consécration, d'amour, d'obéissance, de service. Nous sommes en tant qu'ambassadeurs de Christ, comme l'a dit mon frère Alexandre, ambassadeurs. Nous sommes la réponse de Dieu sur cette terre aux problèmes de l'humanité, parce que Christ vit en nous et il est le seul espoir de ce monde. Et parce que nous le portons en nous, nous devons le donner aux autres. Et si nous regardons au monde physique, tout terrain, tout espace physique est soumis à une autorité. Tout territoire doit avoir un gestionnaire. Et nous le voyons même dans l'organisation de la société médiévale en France, si vous prenez l'exemple. Il y avait des seigneurs, il y avait des serfs, il y avait des vassaux, il y avait des paysans qui cultivaient les terres des seigneurs, qui devaient le consulter en toutes choses, avoir son autorisation pour se marier, pour faire quoi que ce soit, demander l'autorisation de ce seigneur. Voici pourquoi dans notre vie chrétienne, j'aimerais vous dire que lorsque nous disons Seigneur, Seigneur, lorsque nous faisons Jésus Seigneur de notre vie, nous devons comprendre le poids et l'importance de ce titre que nous lui donnons dans notre vie. Qui requiert de nous une soumission totale, une fidélité totale. Parce qu'à l'époque, lorsque le paysan voulait des terres, le Seigneur lui donnait à condition qu'il fasse allégeance à ce Seigneur. Donc pour avoir un territoire spirituel, pour s'emparer de sa terre promise, pour faire progresser le royaume de Dieu, bien sûr, nous devons marcher dans une totale fidélité et obéissance à Jésus. La véritable conquête chrétienne, la véritable bataille, la vraie croisade, si on peut dire, bien sûr, elle est spirituelle. Elle est dans la prière, elle est dans la louange, elle est dans la prédication de l'évangile, elle est dans le fait de combattre spirituellement, de détruire des autels, d'élever des autels. Regardez le monde entier n'est qu'une histoire de guerre et de conquête. Et aujourd'hui où le monde entier a déjà été conquis par diverses nations, maintenant les nations se lancent à la conquête de l'espace et des planètes. Regardez les États-Unis, la Chine, la Russie. Ils veulent tous arriver sur Mars le premier. Il y a toujours et toujours eu dans l'histoire de l'humanité des conquêtes. Et j'aimerais que nous puissions maintenant prendre l'exemple de Josué. Josué est un exemple si puissant, celui qui a une mission si extraordinaire de faire rentrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Et nous pouvons nous identifier à cette histoire et à Josué. Pourquoi ? Parce que nous, en tant que chrétiens, nous avons nous aussi une terre promise dont nous devons nous en emparer. Une terre où coule le lait et le miel, quelque chose que Dieu a prévu pour nous, nous qui sommes son peuple. Et nous savons que Dieu
est un Dieu de chroniques, est un Dieu de nombres, de livres, de registres, et il plaît à Dieu de garder une trace de l'histoire de son peuple. Nous avons dans l'Ancien Testament l'histoire d'Israël, et ils peuvent regarder en arrière et construire leur foi, leur espérance sur cette histoire. Mais nous, en tant qu'Église corps de Christ, nous avons aussi cela dans la Nouvelle Alliance, nous avons le livre des Actes. Et donc la vie, les actions de Josué nous parlent de guerre, nous parlent de conquête, mais aussi de dévotion, de consécration à Dieu, d'obéissance à sa parole, de temps dans sa présence. Josué était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Son nom de base était Osée, qui veut dire salut ou sauvé. Et tout grand personnage biblique, un jour ou l'autre, avant d'entrer pleinement dans son appel et sa mission, Dieu a changé son nom. Et c'est pourquoi Osée est devenu Josué. Il s'appelait Osée, ce qui signifie salut ou sauvé. Il est devenu Josué, qui veut dire Dieu est salut, Dieu sauve. Il est un personnage si important. Et donc, dans Nombre chapitre 13, nous voyons qu'il est le premier à venir en terre promise après le fait que les Hébreux ont quitté l'Égypte. Il est le premier parmi les 12 espions. Ensemble, ils sont les premiers à être entrés dans la terre promise pendant que le peuple attendait. Mais ce que nous voyons aussi au chapitre 14, c'est qu'il était le seul, avec Caleb, à avoir foi en Dieu et en sa parole pour la conquête de la terre promise. Aujourd'hui, combien de chrétiens n'ont pas foi pour s'emparer de leur terre promise, pour s'emparer du royaume de Dieu? Voici ce que nous dit la parole de Dieu à propos de Josué au début de son ministère. Dans Nombre, chapitre 27, versets 16 à 20. « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux, qui entre devant eux, qui les fasse sortir, qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Tu lui donneras des ordres sous leurs yeux, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. » Nous voyons ici que Josué va succéder à Moïse, que Josué même va recevoir l'imposition des mains de Moïse et va recevoir l'onction de Moïse. Et ce que nous voyons ensuite, c'est que Moïse dira à Josué que c'est toi qui vas faire en sorte que le peuple d'Israël s'empare de la terre que Dieu a promis à leur père. C'est une mission si extraordinaire que seul Josué a pu réussir, que même Moïse n'est pas parvenu à réussir. Ce que nous voyons, c'est que Josué était aussi un homme d'intimité. Il aimait la présence de Dieu. On nous dit que lorsque Moïse retournait au camp après avoir passé du temps dans la tente à rencontrer Dieu, son jeune serviteur Josué ne sortait pas de la tente. Moïse ne lui disait pas « Reste ici, continue de prier ». Moïse sortait s'occuper des affaires du peuple, mais Josué décidait de rester dans la présence de Dieu, auprès du Seigneur. Et nous voyons également que Dieu va dire plusieurs fois à Josué, « Fortifie-toi, prends courage, parce que la mission est si grande, parce que la mission est si importante aux yeux de Dieu, mais Josué aura besoin de force spirituelle pour la mener à bien. » Et Dieu va lui dire, « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. » Et Dieu dit aujourd'hui aux chrétiens, « Tout lieu que foule la plante de vos pieds doit vous appartenir, doit être l'endroit où vous allez manifester le royaume de Dieu. » Il y avait une si grande mission. Il était aussi un homme de la parole. Dieu lui disait de méditer jour et nuit la parole afin qu'il réussisse dans toutes ses entreprises. C'est un principe qui est essentiel et capital, même pour nous chrétiens. Et la conséquence, c'est que dans Josué 3:7, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Dieu montre à tout le peuple d'Israël qu'il est avec Josué comme avec Moïse. Voici ce qui se passe lorsque vous êtes fidèle à Dieu, lorsque vous êtes fidèle à un homme de Dieu que vous servez, lorsque vous passez du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Un jour ou l'autre, Dieu va te prendre et va te mettre devant et va t'élever. Ne cherche pas toi-même à être mis sous les feux des projecteurs. Ne cherche pas toi-même à être mis en avant, mais demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la fidélité de Dieu. Demeure dans la foi. Et alors un jour ou l'autre, Dieu te mettra devant et montrera qu'il est avec toi en toute chose. Josué arrive avant de s'emparer de Canaan, avant de s'emparer de Jéricho. Il va faire comme Moïse a fait. Moïse avait ouvert la mer et Josué ouvre le Jourdain. Il traverse le Jourdain. C'est juste avant la conquête de Jéricho. Et
Josué va faire élever un autel pour les 12 tribus après la traversée. Il va lui-même aussi ériger un second autel dans les eaux de ce Jourdain, ce qui a une signification spirituelle très forte dans ces eaux vives, dans ces eaux vraiment puissantes où Jésus lui-même sera baptisé. Et ce que nous voyons, c'est qu'après cela, en plus, le peuple d'Israël va se faire circoncire parce qu'ils étaient sortis d'Égypte. La première génération est morte, la seconde n'avait pas été circoncis, mais là, ils vont tous se faire circoncire. Ils vont ensuite célébrer la Pâque et à cet instant, le peuple d'Israël était spirituellement chargé et très puissant, prêt pour la conquête, prêt pour vaincre des royaumes, prêt pour vaincre des rois. Et nous aussi, en tant que chrétiens, lorsque nous venons à Christ, lorsque nous avons quitté l'Égypte du monde pour entrer en terre promise, nous avons fait alliance avec Dieu, nous avons fait un autel, nous avons circoncis notre cœur, nous avons célébré le repas du Seigneur, notre Pâque, la Sainte Cène, le repas du Seigneur Jésus, qui nous fait pleinement rentrer dans la nouvelle alliance. Et enfin, nous sommes prêts pour la bataille finale, pour la conquête de notre terre promise, pour la conquête de Jéricho. La prière est si importante, je l'ai dit au début, pour prendre possession de sa terre promise. Parce que notre puissance est dans une vie cachée avec Christ. Notre puissance est dans le lieu secret. Notre puissance est dans la présence de Dieu et dans notre intimité avec lui. Parce que lorsque vous restez dans sa présence, lorsque vous demeurez avec lui, lorsque vous vivez dans la prière, tout peut changer en un seul instant. Une visitation du ciel, une visitation angélique, et Dieu active votre destinée, et Dieu active ton ministère, et ensuite tu peux rentrer dedans, et ensuite tu peux prendre possession de ta terre promise. Et c'est ce qui s'est passé avec Josué. Josué était là près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué a eu la visitation de l'ange, du chef de l'armée de l'Éternel, qui a combattu devant lui, qui a combattu avec lui pour prendre possession de la terre promise, pour venir et infliger la défaite aux ennemis de Dieu. Dieu va envoyer l'armée de ses anges, les chars du ciel, pour combattre devant nous et que nous puissions nous emparer de notre terre promise, que nous puissions gagner le monde pour Jésus. La puissance est dans la prière et dans le fait de demeurer dans la prière. Jésus lui-même disait, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête parce qu'il reposait sur ses genoux, parce qu'il reposait dans la prière. La conquête de Jéricho a été la clé pour ouvrir la conquête de la terre promise. Le peuple était là. 7 sacrificateurs marchaient devant l'arche avec 7 cornes retentissantes. Dieu dit à Josué, faites le tour une fois par jour pendant 6 jours. Mais le 7e, vous ferez 7 fois le tour. Et ensuite, vous sonnerez de la trompette et vous crierez. Et les murailles vont s'effondrer et vous prendrez possession de cette ville. Et parce qu'ils ont pris possession de Jéricho, toute la terre promise ensuite, ils l'ont conquis. Il y a un cri du cœur, il y a un cri puissant, il y a un cri de la foi, il y a une fréquence, d'un son si puissant qui fait s'écrouler les murailles les plus solides, des grandes forteresses qui nous résistent. Ils ont fait le tour et saturé l'atmosphère de la puissance de Dieu dans une unité de cœur et les murailles se sont écroulées. Et ce que nous voyons, c'est que parmi ceux-là, Josué en toute chose est resté fidèle à Dieu. Il a fait exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Parce que Moïse devait parler au rocher, mais il a frappé le rocher. Cela lui a valu de ne pas rentrer dans la terre promise. Mais Josué a fait tout ce que Dieu lui a demandé de faire et il a pu prendre possession de tout le pays que Dieu leur avait promis. Josué ne s'est pas arrêté là. Josué a vaincu les Anakim et les géants. Josué a tué des rois. Josué a vaincu plus de 31 rois. Il était un tueur de rois. Et pour cela, il faut rentrer dans l'onction royale, dans la dimension d'une onction qui permet de vaincre des rois, sachant que ces rois-là étaient connectés à des entités spirituelles qui étaient des principautés physiques, qui étaient des rois et des princes de ce monde de ténèbres derrière ces 31 rois. Mais Josué, avec le chef des armées de l'Éternel, les a vaincus. La parole de Dieu ne dit-elle pas que le royaume des cieux appartient aux violents, que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux? Alors mes frères et sœurs, nous devons rentrer dans cette conquête, nous devons être violents dans la prière, nous devons être violents spirituels, nous devons aller avec ardeur et dans le feu du Saint-Esprit pour prendre possession de notre terre promise, pour vaincre les puissances de ce monde de ténèbres tel que Josué les a vaincus. Amen.
Josué est rentré dans une telle dimension de l'onction, dans une telle dimension du Saint-Esprit, qu'en pleine bataille, il a ordonné au soleil de s'arrêter. Il a ordonné à la lune de s'arrêter. Et la lune et le soleil se sont arrêtés au mot d'un homme. Et la Bible nous dit que c'était la seule fois que l'Éternel a écouté la voix d'un homme et qu'il a permis même que les astres s'arrêtent sur la déclaration de sa parole. Dans ce niveau-là de l'onction, dans ce niveau-là de la puissance de Dieu, lorsque tu ordonnes quelque chose, imaginez, il a ordonné au soleil, à la lune de s'arrêter. Même les scientifiques ont vu qu'il y a eu dans l'histoire un moment où il y a un dérèglement dans le temps parce que visiblement le soleil et la lune se sont arrêtés. Cela ne sont pas des fables, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Et regardez ce qu'il a accompli dans l'ancienne alliance. C'était la dispensation de la loi. C'était l'ancienne alliance. Ils étaient loin de bénéficier de l'alliance que nous avons en Jésus-Christ. Et pourtant, ils ont accompli des choses si extraordinaires. Mes frères et sœurs, dans cette nouvelle alliance, vous devez comprendre en Jésus-Christ que vous pouvez prendre possession du royaume de Dieu et que vous pouvez accomplir des exploits. Vous devez être des héros de la foi. Vous devez conquérir le monde pour Jésus. Dans cette conquête, notre équipement est le Saint-Esprit. Notre équipement est la puissance du Saint-Esprit. C'est aussi la prédication de l'Évangile, car l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Église de Jésus-Christ doit s'étendre. L'Église de Jésus-Christ doit gagner du terrain. L'Église de Jésus-Christ doit se ressaisir et se réveiller. Elle ne doit pas baisser les bras. Elle ne doit pas être abattue. Elle ne doit pas se morfondre. Elle ne doit pas perdre espoir, mais elle doit se relever. Je dis, elle doit se relever. L'Église de Jésus-Christ doit vaincre. L'Église de Jésus-Christ doit s'emparer de ce monde. Mes frères et sœurs, l'heure est grave et importante. Prenez conscience de cela. Soyez des conquérants. Soyez victorieux. Emparez-vous de votre héritage et de votre terre promise. Alléluia. Ésaïe 54. Il faut élargir l'espace de notre tente. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes déserte. Nous devons étendre la puissance et l'impact et l'influence de l'Église, du royaume de Dieu, du gouvernement de Dieu dans notre vie, dans notre entourage, dans notre lieu de travail, dans notre quartier, notre région, notre pays et surtout dans notre pays de France. Nous savons et nous voyons, Jésus nous a donné l'exemple de comment conquérir le monde. Il nous a laissé l'exemple. On nous disait que dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. On nous dit bien, pas sous l'emprise du diable, mais sous l'empire du diable, parce que le diable a un empire, parce que le royaume de la puissance des ténèbres est un véritable royaume. Et notre but est de sortir les âmes de ce royaume pour les amener sous la puissance, sous l'autorité, sous le gouvernement du royaume de Dieu. Donc nous devons comprendre l'importance de cette mission. Nous devons imiter Jésus. Nous devons faire comme lui. Jésus n'avait pas un pupitre fixe. Jésus n'avait pas une église fixe où il restait. Mais il allait de lieu en lieu, cherchant les âmes, prêchant l'évangile, guérissant les malades. Voici notre exemple. Voici ce que nous devons faire. Et j'aimerais encore revenir, du coup, revenons à Josué, revenons à la conquête d'Israël. Josué 18:3, et je pense que ce verset est tant d'actualité pour l'Église qu'il dira, Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? Jusqu'à quand tant de chrétiens et d'églises négligeront-ils de prendre possession du royaume de Dieu, de s'emparer du royaume des cieux par la violence spirituelle, par la violence dans la prière, par la violence dans la consécration ? Combien de temps allons-nous vivre en rejetant les manifestations du Saint-Esprit, en rejetant l'onction de Dieu, en ne nous emparant pas de notre héritage ? Dieu dit, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de l'héritage que vous avez en Jésus-Christ? Jusqu'à quand négligerez-vous cela? Ne soyons pas de ceux qui négligent, ne soyons pas des négligents, mais soyons des conquérants. Soyons comme Josué, qui lorsqu'il a vu la terre promise, lorsqu'il a vu les défis, lorsqu'il a vu les géants, il n'a pas eu peur, mais il a dit, ce pays est bon, l'Éternel nous le donne, il combat devant nous et nous allons nous en emparer. Et j'aimerais terminer là-dessus. Israël, le peuple d'Israël, Josué, ont fait le tour de Jéricho une fois par jour pendant 6 jours, puis ils l'ont refait le 7e. Et ce que nous pouvons voir ici, c'est que un jour, nous voyons ici 6, le chiffre 6,
6, c'est le chiffre de l'homme. Nous savons que Dieu a créé en 6 jours, qu'il s'est reposé le 7e. Alors ce que nous voyons là, c'est que la parole nous dit également, un jour pour Dieu sont comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Et nous comprenons ici que 1 an égale 1000 ans. Et donc ces 6 jours sont les 6 jours de l'humanité. Et le 7e étant le jour final, celui du millénium, celui du repos éternel. Alors ce que nous pouvons voir ici, c'est que Josué était un type de Christ. Josué était celui qui représentait le sauveur et le libérateur, qui nous fera entrer en terre promise. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, soyez fortifiés et réjouissez-vous, parce que la délivrance finale approche, parce que les murs de la Jéricho vont tomber, parce que nous allons nous emparer de notre terre promise, parce que Christ est avec nous, parce que nous avons eu, il y a eu 6000 ans où nous avons fait le tour, où l'homme a fait le tour, mais le 7e année, le 7e millénium, nous allons rentrer dans cette terre promise. Les murailles vont tomber, la puissance de Dieu va se répandre sur cette terre et nous allons voir le miracle et nous allons voir la puissance. Demeurons fidèles dans les voies de Dieu, dans la foi, dans tout ce dont nous avons besoin pour prendre possession de notre héritage. La parole de Dieu déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Mes frères et sœurs, restez debout, tenez ferme, soyez fortifiés dans vos cœurs. Vous avez la puissance du Saint-Esprit. Vous avez le mandat et la mission de vous emparer de votre terre promise et de faire descendre le royaume de Dieu sur cette terre, d'installer le règne de Christ sur cette terre avant son retour. Mes frères et sœurs, la mission est urgente, la mission est importante. Ne négligez pas cela. Vous avez été loin du Saint-Esprit, vous avez été loin de la puissance de Dieu. Vous avez un langage, Dieu nous a donné un langage, celui de son royaume. Il nous a donné une mentalité, la mentalité de son royaume. Dieu nous a donné le parler en langue, qui est le parler de son royaume. Alors allez-y et emparez-vous de ce que Dieu a pour vous. Emparez-vous de ce que Dieu a pourvu pour vous, de votre héritage. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié dans toutes ces choses. Que le nom de Jésus soit glorifié. Mes frères et sœurs, emparez-vous de votre terre promise. Soyez des conquérants pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.